les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir une magnifique demeure totalement prise par le temps et la végétation. C'est ce qu'on appelle un spot ultra décalé. Franchement, c'est un vrai régal. Et du coup, on va le découvrir ensemble. Et franchement, je suis émerveillé déjà parce que je vois cette pièce qui se trouve juste derrière moi. Donc j'avoue que là, ça va envoyer du lourd. Et franchement, on va faire un très grand pas dans le temps. Et franchement, ça va être un régal. Bon, bah allez, c'est parti, go! Donc là, du coup, les amis, on commence dans cette pièce qui est la pièce principale, on va dire, de cette grande demeure. Alors là, j'avoue, il y a un truc qui fait tache. C'est mon sac qui est juste là. Au moins, ça montre l'ampleur de... des dégâts, en fait, de la dégradation naturelle, en fait, qui est faite sur ce lieu. Et je vous avoue, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. J'ai pu en faire des spots comme cela dans le passé. Malheureusement, j'ai aucune vidéo de ces lieux-là. J'espère pouvoir avoir l'occasion de les refaire pour vous en montrer les images. Et là, du coup, vous avez un petit échantillon de ce que pourrait avoir... de ce qu'on peut trouver en fait dans un spot qui s'appelle être déqué en fait. Voilà. Hop. On rentre d'emblée sur un magnifique tourne-disque qui est juste là avec un CD. Enfin un CD. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un 33 tours celui-ci? Ouais, c'est un 33 tours. De Frank Sinatra. Alors déjà là ça débute super bien. Ouais. Et là, du coup, on a tous les vinyles qui sont placés juste là, dans cette bibliothèque à vinyles, en fait. Donc, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir une collection, mais pff, dingue, dingue. Ici, on peut remarquer qu'à mon avis, il devait y avoir des animaux, du coup, des chiens, parce qu'on voit des cordes amortillées, là, pour les animaux. Ouais, donc, du coup, très certainement des amoureux des bêtes. Là, on a une belle peinture, juste là. Une aquarelle, très certainement, avec ici la cheminée et plusieurs objets qui l'en composent. Et puis là, on a cette merveilleuse pièce qui se trouve être un piano à queue, Régie Paris. Alors, je suis pas très très connaisseur au niveau piano, je ne sais pas ce que vaut cette marque, mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir une mélodie qui doit en sortir juste fabuleuse. Ouais. Là, ici, on a les partitions. Là, on a un tableau qui est pris directement sur la moisissure. Oh là là. On ne sait où donner de la tête. Je vous avoue, quand on voit cette pièce, c'est juste dingue. Et là, du coup, on a les fauteuils avec la banquette et ce miroir juste là. Donc en position assise, lorsqu'on venait se poser dans notre salon, on pouvait imaginer cette vue et du coup laisser penser une personne en train de jouer du piano. On peut remarquer qu'il n'y a pas de poste télévision, donc du coup cette pièce était vouée à la mélodie, à la musique et au temps qui passe, tout simplement. Il est vraiment sublime. Avec cette décrépitude au plafond là, qu'on peut constater. Waouh. Et là du coup, la végétation qui est en train de pénétrer à l'intérieur directement. C'est hallucinant. Hallucinant, ouais. Sur la table basse, on a un petit bouquin, collection Bayard, Brigande d'Armor, 75 centimes. Ouais. Ouais, vraiment sympa. Pareil avec les végétaux, enfin les plantes qui sont mortes. Là, du pot pourri, juste là. Oh là là. Hallucinant. Ouais. Là, on se retrouve face à une autre petite bibliothèque qui, cette fois-ci, on peut y trouver des compacts disques, donc des CD,
maintenant ça se fait de moins en moins, voilà quoi, vu bah voilà quoi, vu l'évolution qu'il y a aujourd'hui au niveau musical, maintenant il ne reste plus qu'à télécharger et on n'a plus rien sur, sur certains éléments. Ouais. C'est juste fou. Tout seul, Mister Seb, salut, qui est juste là. Incroyable. Et puis il y a ma chérie qui est aussi ici. On va essayer de la retrouver dans cette demeure. Elle doit être quelque part en train de s'émerveiller elle aussi. Un vrai délire. Du coup, on arrive très certainement sur l'entrée principale en fait. Et encore, je ne suis même pas sûr. Regardez-moi un peu cette, ce côté obscur là, de la moisissure. Il y en a partout. Ah, et du coup, le poste télé est juste là. Donc si ça se trouve, il y a une autre pièce qui devait servir de salon pour regarder la télé. Cet escalier, regardez-moi un peu. Waouh, c'est digne d'un film d'horreur, franchement. Avec ce petit lustre là, juste là au plafond. Et là, on peut remarquer les champignons qui sont en train de prendre possession de cette maison. Et d'ailleurs, vous devez l'entendre à la vidéo, on est en bordure de route. Donc du coup, là, je vous avoue, le passage des véhicules doit être assourdissant à un moment donné. Là, on entre dans la cuisine. Oh, celle-ci aussi, elle est juste folle. Oh là là, j'ai l'impression qu'en fait, dans cette maison, j'ai l'impression de qu'on l'a prise, qu'on l'a plongée dans une baignoire remplie d'eau et qu'on l'a ressortie. Et voilà ce que ça en donne. T'as l'impression de voir une maison complètement rouillée en fait, voilà quoi. Sauf que là, pour le coup, elle est prise par la moisissure, par les champignons encore une fois. C'est. Oh. Non mais regardez-moi ça un peu. C'est dingue. C'est dingue. Là ici on a la table de la cuisine. On a encore les verres avec du whisky et puis des moucherons à l'intérieur. Oh là 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 là, cette cuisine elle est affolante. Ma chérie, juste là, ça faisait un petit moment. Donc là voilà. Impeccable. Allez, c'est reparti. Oh là là, c'est ce lavabo là, enfin cet évier plutôt. Pareil, tout est figé les uns aux autres, les chiffons, les éponges. J'ai l'impression que tout fait en un en fait, voilà quoi. Tout s'est rassemblé pour ne faire qu'une seule pièce en fait. C'est impressionnant. C'est dingue. Bouteille de Ricard, pastis, les cicatrices, boîte à gâteaux, les ciseaux. Ouais, tout ce qu'on peut retrouver dans une cuisine. Là on a tous les ustensiles qui sont encore là. Et là-haut, regardez-moi un peu ça. Donc ça je pense qu'à mon avis ça doit être de la mérule. Parce que là-haut, on voit qu'il y a du bois, donc très certainement la mérule. Donc je pense que cette maison risque d'être. Risque de finir engloutie en fait tout simplement. Là-haut on a le panier à œufs pour aller faire les petites provisions. Les œufs, enfin voilà quoi. La petite bouteille de lait, la salade, pour aller faire son petit marché. Oh là là. Juste ici, on a le frigo. Je vais pas m'en rapprocher, car on a certains indices sur la localisation du lieu. Et d'après quelques indices déjà qu'on aurait retrouvés, on aurait une dernière date qui remonterait à 2018 par rapport à un chèque qui aurait été émis. Donc là, on a le frigo. Tu montes de loin. Oh, le frigo. Oh, avec toute la nourriture encore ici. Oh, l'odeur. Là, du coup, on se trouve sur la petite cave à vin. Là, on a les chaussures qui sont entreposées ici. Là, on a toutes les bouteilles. Ouais, pour les longs passages d'hiver, histoire de se réchauffer un petit peu. Et du coup, là, on a la montée d'escalier pour voir l'étage, qui, je pense, nous réserve de bien belles surprises. Et là, du coup, on continue sur le rez-de-chaussée. Waouh ! C'est juste dingue. Impressionnant à voir. Regardez-moi un peu cette pièce, qui, elle aussi, est totalement figée. Oh là là, je vois des choses, là, c'est juste dingue. Je vais rajouter un peu de lumière.
Donc là, on se trouve sur la salle à manger. C'est une grande bâtisse, en fait. Hein. C'est une grande bâtisse, hein, quand on regarde. Hein. C'est... Franchement, c'est spacieux. Hein. C'est spacieux. Et dire qu'on est passé ici maintes fois pour aller faire des spots qui sont à quoi, une dizaine de kilomètres. C'est impressionnant. C'est dingue. Regardez-moi un peu ce... C'est quoi, c'est un poste TSF ? Ouais. Oh là là, la vache, magnifique. Ouais, c'est juste magnifique. La tapisserie qui tombe aussi. La tapisserie, ouais, qui est en train de se décoller, en fait, petit à petit. Là, pour le coup, les nouveaux propriétaires, je suis pas persuadé qu'il y en ait, mais ils auront pas de mal à décoller la tapisserie. Et puis, bah, du coup, je pense qu'ils raseront tous les murs. Hein. Mais je pense qu'une nouvelle vie pour cet endroit, à mon avis, il n'y a pas d'avenir. Hein. Pour le moment. Enfin, je pense que l'avenir est très loin. Cette table à manger. Waouh, avec les ustensiles. Alors, c'est là que je me pose la question de si certains de ces ustensiles étaient déjà présents, oui ou non. Je pense que oui, car là, on peut voir que celui-ci a bougé vraiment relativement. On a la trace, en fait, du bol. Donc, je pense que certains de ces éléments-là étaient déjà placés ici. Après, beaucoup restent de la mise en scène. Mais pour certains, je pense qu'ils devaient déjà être présents. Ouais. C'est une très bonne question. Là-bas, on a le petit canard. Ouais. Pour les petites nouvelles fraîches. Là, pour le coup, ouais, elles sont plus vraiment fraîches, effectivement. Waouh. C'est hallucinant. On est face à un buffet. Oh là 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 là. Là, on a pas mal de petits coquillages. Et non, ce n'est pas des pistaches. Il y a un commentaire qui a été laissé. Et voilà quoi. J'arrive à faire la différence encore à des pistaches et puis des coquillages. Hop. Là. On a encore toute la petite vaisselle, la porcelaine, qui est juste là. Ouais, démentiel. Tiens, là-haut, on a un petit papillon. Qui, je pense que lui, est complètement figé aussi. Il n'a pas l'air de bouger. On va le laisser tranquille. Ici, on a un album photo. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas y toucher pour éviter de dégrader. Là, on devait avoir plusieurs, enfin divers objets, à mon avis, à l'intérieur de cette vitrine. Qui, peut-être, eux, ont été dérobés. Il devait y avoir certaines pièces, à mon avis, de valeur. Bon, malheureusement, voilà quoi. Les gens sont déjà passés pour se servir. Heureusement, ce n'a pas été dégradé, par chance. Là, on a un meuble qui a cédé sous le poids de l'humidité. Ouais, c'est vraiment fou. Fou. On va aller voir un peu ce qui se cache ici. On va faire attention, il y a deux bouteilles entreposées sur les marches. Hop. Ah ouais, oh, la vache. La petite sacoche là, sympa, le petit cartable effectivement. Avec la petite salle de bain. Et là on peut remarquer encore des affaires étendues juste là. Waouh. Avec les outils placés juste là. Non mais c'est dingue toi. La petite salle de bain avec la caisse à outils au mur. C'est ouf. C'est ouf. Hein ? Et là, on arrive, là, ici, on a la gazinière qui, elle, est franchement pas du tout ancienne. Non, c'est la chaufferie, ça. C'est une chaudière. Ouais, une chaudière, ouais. Une gazinière. Non. Je dis une gazinière. Ah, bon, bah écoutez. Donc, ça peut arriver que je peux confondre, à mon avis, des pistaches avec des coquillages. Et là, du coup, on arrive sur la partie sanitaire. Et du coup, je pense que les souris et les rats ont bien compris que c'était ici les sanitaires, qu'on a des crottes dispersées partout sur le sol. Ouais. Thank you.
allons emprunter cet escalier qui est juste hallucinant. Je pense que c'est l'un des premiers que je vois dans cet état-là. Et je vous avoue, j'en ai vu des escaliers dans des états réellement bien pourris. Et celui-ci, je pense qu'il est dans le top 3, à mon avis, des escaliers les plus décaits que j'ai pu rencontrer à l'heure d'aujourd'hui. Regardez-moi un peu tous ces tableaux-là. C'est dingue. Ouais, c'est magnifique. On pourrait nous prendre pour des fous à dire que c'est magnifique. Mais je vous avoue, pour nous, on passe vraiment pas du tout pour des fous quand on en parle entre nous. Parce qu'on adore ça. On adore ça. Encore une fois, c'est clair que c'est triste à voir. Mais c'est tellement beau. Pour nous, les amoureux de la moisissure. Regardez pas un peu ce palier juste là. Waouh. Et là, on peut entrevoir une chambre. Oh, sublime. Donc du coup, on va commencer par cette première chambre. Oh là 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 là. Ah, il est juste folle. On a intérêt de faire vraiment attention à là où on met les pieds par contre. Car les planchers sont très certainement pas du tout consolidés. Oh là là, regardez-moi un peu ça. Le lit est complètement pris. C'est les couettes, enfin voilà quoi, tout a fondu en fait sous la moisissure, l'humidité. C'est fou, hallucinant. Je sais plus où donner de la tête là. Tellement je suis impressionné par l'état de cette chambre. Là on peut apercevoir les racines. D'ailleurs, et puis la mousse et ce champignon. C'est vraiment fou. Pencher un peu sur cette table de nuit là, juste là. Waouh. Ouais, avec cette petite lampe de chevet là. Là on a un petit coffre juste là. Je pense à mon avis pour y placer les bijoux avant d'entamer sa petite nuit. Avec un petit bouquin bien vivre. Ouais. Et là, avec la petite fenêtre ouverte. Waouh, waouh, waouh. C'est fou. On arrive sur une seconde chambre. Et là, on se trouve directement sur une bibliothèque. Et là, on peut voir que celle-ci est beaucoup moins mangée que la précédente. Ouais. Et du coup, on aimait bouquiner ici aussi. Avec, on a deux bureaux là, un juste là et un là-bas. Ouais, avec la petite machine à écrire, les petits ustensiles de bureau. Oh là là. Et là, pareil, pas mal de revues, des albums photos juste là et des bouquins. Victor Hugo, Les Misérables. Ouais. Ici, nous avons des revues qui se nomment Historama. Si cela parle à certaines personnes, ça doit vous rappeler des souvenirs, à mon avis. Le Benelux. Ouais, Historama. Ouais, il y a pas mal de revues Historama. Un bulldog. Ah ouais, ah oui, là-bas, ouais, effectivement, on a un petit bulldog. Alors, est-ce que la photo a été prise ici? Bonne question. Il y a des chances, à mon avis, vu les jouets qu'on a retrouvés en bas. Ça devait être le chien, à mon avis, des propriétaires. Ouais, magnifique. Du coup, on arrive sur une deuxième chambre, parce que la précédente, c'était juste un bureau, une bibliothèque. Et encore une fois, là, le contraste qu'il y a entre la chambre juste derrière. Donc du coup, derrière ce mur-là, on a une chambre qui est complètement décaie, moisie. Avec celle-ci qui est, je dirais pas habitable, mais voilà quoi. C'est à l'heure d'aujourd'hui, si je me retrouve à la rue, je pourrais plus facilement dormir dans cette chambre-là que celle qui est derrière, je vous le dis tout de suite. C'est dingue. Et je pense que ceci est dû à la fenêtre ouverte, en fait, qui est de l'autre côté. Et là, on peut voir la moisissure qui commence à traverser le mur pour arriver dans cette chambre-là, qui devait peut-être être une chambre pour enfants, pour ados. Vu la tapisserie au mur.
Et là, on a une armoire avec les vêtements encore présents. Ouais, pantalon à pinces, pantalon de costume, on a les cravates juste là. C'est dingue. Du coup, on arrive sur un... sur une petite entrée, un palier qui donne sur une salle de bain qui est juste là. Alors pour y accéder, je vous avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vais juste essayer de la filmer d'ici. Là, on peut voir tous les ustensiles là-bas pour faire sa petite toilette. La baignoire. Je pense que la personne devait être handicapée à un moment donné. Ouais. Alors ici, on a les... C'est quoi ça d'ailleurs? Ah, c'est des petits savons. Ah oui, d'accord, c'est les petits savons qu'on récupère en fait dans les hôtels et tout ça, ouais. C'est les petits échantillons, ouais. Ah, c'est drôle de voir ça, ouais. Ouais, c'est dingue. Hop. Hop là. On arrive sur une troisième chambre. Oh, celle-ci aussi, elle est... Là, par contre, l'odeur est beaucoup plus présente, hein. Ah ouais, là, l'odeur, franchement, elle prend la gorge. Hein. Ouais, c'est un vrai délire. Je vais pas rester bien longtemps. Ouais. Là, on peut apercevoir la canne qui est juste là. Et d'ailleurs, tous les ustensiles, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les ustensiles qui auraient pu être tenus par l'humain, bah, c'est ces objets-là, en fait, qui pourrissent les premiers, en fait, directement. Parce que on y laisse notre trace. Et... tout de suite après, bah, les champignons viennent s'y installer. Oh, oh la vache! Regardez-moi un peu ça. Ah, et puis d'ailleurs, ouais, je pense que là-haut, vaut mieux pas y aller, y accéder, parce que là, on risque de passer à travers ce plancher, ce plafond. Là, je vous montre un peu l'état de cette chambre. Avec ce... lustre là, juste là. Il est sympa ce petit fauteuil là, juste là. Là-bas, on peut apercevoir un téléphone. Et là, du coup, on a la petite montre réveil avec le luminaire, juste là. Là, on devait avoir un radio réveil. Et là, regardez-moi un peu l'état du linge de lit. C'est fou. J'essaie de m'approcher un peu plus proche de cette armoire. Ah oui, là du coup, on a toutes les affaires et tout ce qui est le linge. Linge de lit, encore une fois, qui est encore présent. C'est fou. Éviter de se coincer les doigts. Voilà. Ouais. On a un dernier petit courrier là, posé juste là. C'est... Ouais. Je suis vraiment impressionné par ce lieu. C'est juste dingue. Ouais. Thank you.
Et voilà, chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à la commenter pour me dire un peu ce que vous en pensez. Voilà quoi, votre ressenti. Et puis, voilà quoi, tout ce qui entoure en fait cette exploration, tout simplement. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est totalement gratuit, donc n'ayez aucune crainte. C'est gratuit, donc abonnez-vous, il n'y a aucun problème. Et surtout, activez la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, je vous mettrai en lien dans la description ma page Facebook, là où je rassemble en fait tous mes albums photos depuis que j'ai commencé en fait dans cet univers. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous verrez pas mal d'explorations qui remontent à pas mal d'années maintenant, dans des lieux que j'ai jamais pu sortir en vidéo, car j'ai surtout débuté en fait dans la photo, voilà quoi, directement. Bon, après c'est pas des photos professionnelles non plus, mais voilà quoi, n'hésitez pas à y faire un tour, et je mettrai en plus en lien dans la description mon Instagram, plus tous les autres sites auxquels je partage directement, et puis bien évidemment les cagnottes, si le cœur vous en dit, comme toujours. Et puis pour nous, il va être grand temps de se dire à très bientôt, parce que il va y avoir de bien belles surprises qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà quoi, restez connectés. Et puis pour nous, on se dit à très bientôt encore une fois. Prenez soin de vous surtout. Et puis on se dit ciao, bye bye. Allez, à la prochaine, go !